La photographie est à peine née, le monde s'émerveille encore de sa capacité à capter une image fidèle du réel, et déjà quelques photographes entreprennent de la détourner pour raconter des histoires, créer des fictions. Une barque transporte le roi Arthur mourant sur une mer démontée, faite de tissus, comme au théâtre, et retouchée à la peinture. Une mise en scène de la photographe anglaise Julia Cameron datant de 1874. Seule la lune, qui n'est pas peinte mais grattée sur le négatif, prouve qu'il s'agit bien d'une photographie. Plus simple mais sans doute plus efficace, l'autoportrait du photographe Bayard qui s'amuse à poser en noyer. C'est un autre type de mise en scène. Ici, c'est bien le véritable corps de Bayard que l'on voit. La fiction naît de l'ambiguïté de l'image. C'est la légende écrite au dos qui fait passer pour un cadavre un homme qui a tout simplement les yeux fermés. Un siècle plus tard, un autre photographe saisi par le vertige de la fiction associe dans une même image les deux registres de la théâtralité et de l'ambiguïté. Il s'appelle Eugène Mithiard, il est opticien. Sur cette image, il pose avec sa femme devant leur voiture. Une situation anodine des années 60 dans le sud des États-Unis. Mais les masques d'Halloween que porte le couple révèlent la violence primitive cachée derrière les apparences, une vérité intérieure que la photographie seule ne peut pas capter. Ce qui frappe, c'est la simplicité de ces mises en scène. Un masque trop vieux sur un corps trop jeune suffit à faire naître un monstre innocent. Un masque mal mis suffit à confondre l'envers et l'endroit. La mise en scène telle que la pratique Mithiard et d'autres photographes des années 60 du XXe siècle cherche moins à raconter qu'à faire apparaître des fantômes et brouiller la notion même de réel. À l'inverse, au même moment, des peintres américains cherchent à se débarrasser de toute subjectivité et peindre des tableaux plus objectifs que la plus objective des photographies. À l'intersection de ce double mouvement de transgression, un portrait d'Andy Warhol, l'hyper-réaliste, déréalisé en trois temps par le photographe Duane Michals. Aux effets classiques de mise en scène, Michals ajoute la durée, le temps du récit, la notion de séquence. La rencontre fortuite. Une simple scène de rue, dramatisée par une décomposition du temps, comme dans un photoroman. On assiste à cette rencontre manquée, dont on ne saura jamais les enjeux, mais que le perpétuel décalage entre les deux personnages charge d'une mélancolie inquiétante. La séquence « Les choses sont étranges » commence dans une banale salle de bain. Mais dès l'image suivante, on tombe dans un univers où plus rien n'est sûr. Est-ce l'homme qui est trop grand ou la salle de bain trop petite? Est-ce la réalité ou juste une image à peine visible
dans un petit livre lu par un promeneur anonyme, qui n'est lui-même qu'une image au-dessus du lavabo de cette même salle de bain. La dernière image reproduit la première. La série se referme sur elle-même, prenant le spectateur au piège d'une histoire sans issue. D'une succession d'images fixes naît un monde imaginaire, celui de la vision intérieure, à laquelle semble s'abandonner Andy Warhol dans cet autre portrait de Duane Michals, Les yeux cachés. Une remise en cause d'une culture photographique sacralisant le regard. L'Américain Mac Adams réduit la séquence à seulement deux images dans sa série Mysteries, datant des années 70. Dans un climat de série B, il montre un début et une fin, un avant et un après. Entre les deux, seul manque le présent, ce fameux instant décisif cher au photographe du réel. C'est ce que Adams appelle le vide narratif. Au spectateur d'interpréter les indices, d'imaginer comment et pourquoi l'autostoppeuse a fini dans le coffre, de calculer le temps écoulé à l'épaisseur des feuilles mortes et de deviner quel autre malheur annonce l'oiseau noir. Le mystère des deux triangles. Un cadavre sur une plage. Un homme au tatouage étrange. Deux triangles. Les mêmes que ceux qui entourent l'homme mort. Un couple qui ne se rend compte de rien, en danger peut-être. Fumée et condensation. À travers la vitre embuée, on devine une jeune morte. La même main qui tient le verre a refermé la portière de la voiture. Dans une autre série de la fin des années 90, Mac Adams, passé à la couleur, fait tenir l'énigme tout entière dans une seule image. Un objet design, choisi pour sa surface chromée, devient un miroir déformant dans lequel se reflètent des situations dont la violence contraste avec la perfection froide du revêtement métallique. Une version post-moderne et dérangeante du miroir magique des contes. La grande référence de ces photographes qui ont grandi pendant l'âge d'or d'Hollywood, c'est le cinéma américain, avec ses fantasmes et ses clichés. Comme ces photographies qu'on affiche dans les devantures des salles de quartier, qu'on appelle stills, images arrêtées. Des photographies de plateau qui cherchent à condenser tout le drame du film en une seule image. En 1976, Cindy Sherman réinvente le genre, en posant elle-même devant l'appareil, dans le rôle de toutes sortes d'héroïnes imaginaires de films qui n'ont jamais existé. C'est à la fois un jeu et la déconstruction de l'image de la femme dans le cinéma américain. Des femmes inquiètes, au regard effaré, des proies. Au-delà du pastiche, ces images parviennent à évoquer quelque chose de cette tension propre au cinéma, où on ne sait jamais d'où tombera le prochain coup. Comme dans un film, les regards sont tous tournés vers l'extérieur du cadre, le hors-champ. Là où se tient caché l'autre, la source de leur angoisse, qui fait d'autant plus peur qu'elle est invisible.
Dans les années 80, Cindy Sherman poursuit la même idée, mais en posant dans des images en couleur. L'angoisse intériorisée du noir et blanc fait place à une image crue, une expression physique de l'horreur et de la mort. En 1993, le Canadien Jeff Wall a réussi un véritable exploit. Saisir en une seule image les effets d'un coup de vent. L'arbre, les personnages, les feuilles des dossiers, symboles de l'activité humaine, et le chapeau du voyageur convergent comme par magie pour traduire la sensation de ce vent qui dérange tout. C'est bien sûr une image impossible. Elle a été entièrement scénarisée, puis mise en scène et photographiée élément par élément. Il a fallu une centaine de clichés pris pendant plus d'un an et montés sur ordinateur pour créer l'illusion. Mais la reconstitution ici est double, car la photo de Jeff Wall s'inspire directement d'une estampe du peintre japonais Hokusai. La chambre détruite. On dit que dans ce décor soigneusement saccagé, Jeff Wall a mis en scène les vêtements de sa femme qui venait de le quitter. Mais au-delà de l'anecdote, c'est encore un dialogue avec un chef-d'œuvre de la peinture, La mort de Sardanapale de Delacroix, un tableau qui fit scandale à son époque. Jeff Wall, comme s'il sautait par-dessus tout un pan de l'histoire de la peinture, en propose une relecture cubiste. Objet et structure remplacent Sardanapale et ses esclaves nus. Jusqu'à la petite statuette de danseuse, figurant la tête du tyran assyrien, seul rescapé de ce désastre. Le dialogue avec la peinture se poursuit dans la présentation même de l'image. Tirée en grand format sur un film transparent, elle est exposée dans un grand caisson lumineux, comme une affiche publicitaire, afin, dit Jeff Wall, de donner à la photographie un rayonnement que la peinture a perdu. Le bar aux Folies Bergères de Manet donne à Jeff Wall l'occasion de s'interroger sur la position du photographe. La fête est finie. Le décor des Folies Bergères est remplacé par celui de la cafétéria d'une université canadienne où il travaille. Et c'est désormais l'appareil photographique qui occupe le centre de l'image. Il faut regarder de très près pour découvrir que la marque de l'appareil est à l'envers. L'image est inversée. Tout ce que l'on voit est en reflet dans un miroir. Dans son tableau, Manet se sert du miroir pour dédoubler la situation et montrer en même temps la serveuse de dos, parlant avec un client, et la serveuse de face, comme si nous étions à la place du client. Mais alors que chez Manet, la serveuse se tient réellement devant le miroir, dans la photo de Jeff Wall, le réel a disparu, seul reste le reflet. Il n'y a plus de face-à-face possible. La structure de l'image isole les personnages. Jeff Wall, lui-même, en photographe, et son modèle, chacun prisonnier de son propre monde. Seul les réunit l'appareil photographique. Mais Jeff Wall est aussi capable de dérision. Dans sa grande composition, Le pique-nique des vampires, une réunion familiale nocturne et sanguinaire, allégorie, dit-il, de la ville empiétant sur la campagne, la réflexion conceptuelle fait place à la farce. L'image réalisée comme un tournage de film, avec une vingtaine de figurants prenant la pose et des spécialistes du film d'horreur pour conseiller,
ne cherche pas à être belle ou crédible. C'est une débauche parodique, une surenchère d'effets et de clichés qui, par ses excès même, est une vision désenchantée du monde dans lequel nous vivons. Une autre nuit, en apparence plus sage. Une comète illumine une fête d'enfants portant des habits d'un autre temps. Dans cette image de Bernard Faucon, seul le paysage est vrai. La comète est une fusée de feux d'artifice et les personnages des mannequins de vitrine, tous des jumeaux. Aussi inertes que les quatre chaises que le photographe a soigneusement disposées dans son décor pour structurer l'image. Les mannequins, les poupées et les automates ont fasciné les romantiques puis les surréalistes par leur manière d'être à la frontière entre l'animé et l'inanimé. C'est sur cette ambiguïté que Bernard Faucon a bâti une série intitulée « Les grandes vacances » où il remet en scène les souvenirs de son enfance. La première communion. Les mannequins qui cernent de toutes parts l'unique figurant vivant rendent l'image irréelle et semblent redonner corps à la matière même du souvenir. Dans cette autre photographie de la même série, les mannequins sont les gardiens du sommeil et de la mémoire, traçant autour du garçon endormi la figure idéale du carré, qui répond au format carré de la photographie, ce format qui, pour Bernard Faucon, est par excellence celui de la mise en scène, parce qu'il contient et délimite le monde. Un autre carré dans une photographie intitulée « L'enfant qui vole ». Dans toute leur artificialité assumée, les photographies de Bernard Faucon sont réalisées à l'ancienne, sans trucage numérique. L'enfant qui vole est suspendu à un fil, tandis qu'à l'arrière-plan, d'autres enfants mannequins, à peine visibles, peuplent réellement les lointains. C'est un autre rapport à l'enfance qu'on découvre dans les reconstitutions de combats de la Seconde Guerre mondiale de David Leventhal. Le regard du photographe agit ici comme celui d'un enfant qui joue et efface la réalité qui l'entoure pour fabriquer un espace sans repère dont seuls ses petits soldats donnent l'échelle. De la mise en scène à grand spectacle sur le coin d'une table. Les décors sont préparés avec un soin extrême. Leventhal va jusqu'à faire pousser pour de vrai l'herbe sur ses champs de bataille miniatures. Mais le pouvoir de ces images vient surtout de la façon dont le photographe joue avec le flou, le grain et la surexposition, pour traduire à la fois la sensation de chaos et de confusion du soldat au combat et l'imperfection de ces images prises à la volée, dans l'urgence. Pour Leventhal, ces images ne sont pas des œuvres en soi, mais les matériaux d'un récit, un faux livre d'histoire, une autre fiction dans laquelle ces mises en scène se mélangent aux documents réels, cartes, discours, citations, dessins,
et semble curieusement tout aussi authentique. Un portrait tout ce qu'il y a de plus officiel de l'empereur Hirohito, photographié en 1999, alors qu'il était mort depuis 10 ans. Il fait partie d'une série de portraits de gens célèbres du photographe japonais Hiroshi Sugimoto, dont les modèles, morts ou vivants, ont tous en commun de n'avoir jamais posé pour lui. Ce sont des figures de cire appartenant au fameux musée de Madame Tussaud. Maquillées et éclairées avec un soin extrême, photographiées en basse lumière avec des temps de pose de plus de 20 minutes pour affiner les modelés et donner l'illusion de la chair vivante. C'est un travail de trompe-l'œil, un piège tendu au spectateur que seule l'image photographique rend possible. Mais c'est aussi une réflexion sur la vérité des images d'aujourd'hui. Si ces figures de cire peuvent aussi facilement nous abuser, c'est bien parce que les poses et les expressions de leurs modèles en chair et en os sont tout aussi mises en scène. Une cage d'escalier. Le haut d'un escalator. Une façade couverte de lierre. Des décors parfaitement réalistes, en carton-pâte. Comme chez Sugimoto. Dans ces images, le photographe allemand Thomas de Mand prend au mot l'idée que notre réalité est une construction, un artefact, ni plus juste ni plus faux, que ces feuilles de papier collées une à une sur une façade dont les fenêtres n'ouvrent sur rien. Cette façade est la reproduction exacte de la façade d'une auberge où a eu lieu un fait divers particulièrement sordide. Mais Demand se garde bien de le dire. De même que rien n'indique que cette autre image reproduit fidèlement la pièce où la cinéaste nazie Leni Riefenstahl gardait ses archives. Le regard du photographe se veut totalement neutre. L'éclairage, tout en nuances, cherche à faire ressortir le moindre détail du décor. Un compte-rendu aussi froid que ces lieux imaginaires, d'autant plus menaçants qu'ils sont totalement vides. Mais le plus étonnant, c'est qu'il ne s'agit pas ici de petites maquettes, mais de véritables décors construits en plusieurs semaines à l'échelle 1 pour 1, et détruits une fois photographiés. Ici, c'est la structure même du décor qui fait la force de l'image. La salle de travail. On peut difficilement imaginer un témoignage photographique plus objectif. Sauf qu'ici, c'est le réel placé devant l'appareil qui est un simulacre. Un bureau de la Stasi après la chute du mur. Reconstruit, photographié, détruit, comme le reste. L'image s'appelle tout simplement « bureau ». Comme les feuilles éparpillées, la photo est une page blanche. À chacun d'y écrire sa propre histoire. C'est le point commun de toutes ces mises en scène. Elles jouent avec les codes de l'objectivité de l'image photographique, la précision, la neutralité du point de vue, pour ouvrir dans l'ordre du réel des espaces imaginaires où chacun est libre d'aller au gré du vent ou de sa fantaisie.